Bonjour! Aujourd'hui, on a eu de la nouveauté de la collection Angela Mara. Donc, je porte ici une tunique qui est vraiment comme si c'était un chemisier en dessous, mais sans l'inconfort. Donc, c'est vraiment cousu. C'est pas deux morceaux. C'est vraiment un seul item. Je vais vous le montrer sur le cintre ici. Donc, dans le gris, moi, j'ai ajouté un petit bijou pour que ce soit un peu plus chic dans le gris. Celui-ci est réversible. On peut le mettre du côté bleu également. Donc, moi, je préférais ce côté-ci pour la vidéo. Donc, on a aussi un top en soie imprimé. Ça, c'est toujours aimé. C'est quand même un petit look relax, oversize, comme on dit. On a beaucoup de ces looks-là cette année. Donc, un beau bordeaux. Et puis, c'est dans le fond, il y a quand même une manche. C'est pas ouvert. On voit rien, là. Puis, c'est doublé. Donc, c'est pas transparent. Fait que c'est, avec la soie, c'est toujours confortable. Vous savez que quand on lave la soie, c'est mieux de la laver à la machine dans un sac de filet plutôt qu'à la main parce que la soie, quand on tord la fibre, ça fait vraiment, ça peut briser la fibre. Donc, c'est mieux de l'essorer à la machine. Je pense que celui-là, je vais aller vous l'essayer. Et voilà, toujours dans un look relax. Vous avez remarqué peut-être, j'ai renversé mon bijou de l'autre côté puisqu'il y avait plus de bleu, c'était plus joli avec ça. Donc c'est un chandail poncho, là j'ai pas mis de camisa, donc je vous montrerai pas sur le côté parce qu'on voit ma peau, mais c'est préférable pour les courants d'air là, d'avoir une camisole, ce serait marine ou noire de préférence. On a un petit cardigan avec le capuchon dans le rose, le vieux rose, un petit rose tendre, vraiment joli. On a également des petits chandails plus légers, mais qui peuvent, avec un bijou, justement, des fois, ça fait toute la différence, un bijou qui est brillant. Donc, dans le gris, c'est un effet, deux tissus différents, effet suédé d'un côté et tricot de l'autre. Celui-ci, on l'a, mais ça, dans une autre couleur, dans le bleu, c'est un très beau bleu. Celui-ci, très léger là, pour les gens qui ont... qui sont portés à avoir des chaleurs, qui ont vraiment, qui sont plus chaleureux. C'est des épaisseurs parfaites, là. On a un autre item dans la collection des fêtes avec les plumes du marabout. Donc, ça aussi, c'est un top qui est quand même relax, mais on a de la transparence. C'est très avantageux pour la silhouette. Ça cache nos petites imperfections. Et on a aussi des choses un peu plus sport. Le moutarde, on en manquait en magasin. C'est vraiment une couleur qui est populaire. Celui-ci est quand même assez un grand V. C'est sûr qu'on peut le porter avec une camisole, le mettre sur l'épaule qui descend ou tout simplement, ça dépend de comment ça tombe sur nous. On l'a dans le moutarde, celui-ci. Puis on a un beau, comme un canneberge. Ouais. Donc, un autre en V dans la couleur canneberge et un de la couleur sable, je dirais. Sable taupe, là. Je pense que c'est plus sable. Donc, on a des tricots quand même pas trop épais. Ils sont ajourés. Donc, c'est vraiment agréable. C'est doux. Je suis certaine que ça doit être confortable. Pas trop chaud. On a également un autre tunique oversize, cette fois-ci, dans le léopard. Celui-ci, il mange trois quarts. Mon Dieu. OK. Comme ça. Donc, on a la manche ici. C'est vraiment slumpé, mais c'est très beau. Ça peut être beau avec un jeans, un pantalon noir, étant donné qu'il est assez long. Ça peut être un pantalon étroit. Ça pourrait être très joli. Et on avait tout vendu, nos chandails à mèche qu'on avait ramenés. Et puis, vous savez qu'on en a envoyé trois de ces chandails-là par Internet. Donc, même si on le répète, vous n'allez pas le voir nécessairement pour chez des gens d'ici, puisqu'on a tellement de clients de l'extérieur que si on répète un item, on en a partout au Québec. Donc, c'est vraiment, celui-là, il a été très populaire. Donc, on l'a ramené dans toutes les tailles. Fait que je vous dis, faites un petit pouce, j'aime si vous aimez nos vidéos. Et puis, vous pouvez partager pour qu'on puisse avoir encore plus de visibilité pour plus de vidéos. Merci. Et à la prochaine!